ça pouvait heurter la sensibilité de certains d'entre vous. Surtout vraiment avec ça. La petite étoile que beaucoup n'ont pas. Hein ? Bref, on va pas prendre plus de temps dans cette intro, hormis pour remercier le nombre incalculable de personnes qui se sont abonnées lors de la dernière vidéo. Donc merci à vous, je mets vos pseudos à l'honneur, comme promis, pour vous faire une grosse dédicace. Je vous envoie plein de bisous, évidemment, avec de l'amour. Et pour les autres, si vous voulez une dédicace, des bisous de ma part, et que vous n'êtes pas abonné, faites comme eux. Et pour tous ceux qui sont abonnés, de toute façon, vous êtes là. Là aussi. Allez, on part dans la vidéo. Alors qu'est-ce qui se trame? C'est quoi ce titre encore? Pourquoi je vous dis à chaque fois que le meilleur dinosaure de Passe au Titan est arrivé dans le jeu? Alors cette fois-ci, pour de vrai, je vais l'expliquer ce titre. C'est le Young Chuanosaurus. Et là, pour de vrai, que celui-là, il est vraiment badass. Parce que il a à peu près la même morphologie, la même taille qu'un Albertosaure. Donc c'est un très gros carnivore qui fait à peu près 3,5 tonnes. Regardez la différence qu'il y a avec un pauvre bougre d'humain. Donc c'est une grosse bestiole. C'est un carnivore. Et en plus de ça, il est agile, habile, très dynamique à jouer et la petite cerise sur le gâteau, il a beaucoup d'habilités et beaucoup d'habilités qui sont franchement sympas, bien pensées. Donc ce qu'on va faire de suite, c'est aller tester ce dinosaure et vous verrez que c'est vraiment un très bon dinosaure. Ok, donc c'est lui la bête, le Chuanosaurus. Non, elle est pas super facile à dire. Et on peut voir qu'il y a évidemment plusieurs sous-espèces. Il y a le Changulus. Bon, je vais pas dire les noms, c'est bon. Il y a lui, c'est un variant Light Build, Heavy Build, Conservative, Big Crest, Broken Crest. C'est pas fait de la même façon que les autres, comme ici le Velociraptor. Donc je sais pas trop à quoi correspond quoi. J'imagine que le Light Build, c'est plus rapide, que le Heavy Build, c'est plus solide, mais après celle-ci, Conservative, Big Crest et tout le reste là, je sais pas trop à quoi ça correspond. Pour comprendre et pour voir comment réagit le dinosaure au travers du test de cette vidéo, j'ai pris le dinosaure standard, histoire de pas avoir de malus ni de bonus, et voir un petit peu comment il réagit grâce aux différentes habilités qu'il a. Ok, il est là. Le bon Chuanosaurus, il est souriant. Il est souriant. Je trouve qu'il est quand même bien modélisé. Quand il marche, c'est assez sympa aussi. La peau, les détails de la peau et tout, je trouve que c'est pas si mal. Bon, évidemment, j'ai pas mes touches. Ouais, non, c'est bon, j'ai mes touches. Je suis obligé de passer clavier en anglais à chaque fois. C'est terrible, c'est très, très désagréable. Bref, on va tester un petit peu cette bestiole. Alors, vous connaissez la tradition. On va d'abord tester les cris en premier. On va faire le cri d'appel. Ouais, il est pas mal, le cri d'appel, ça va. Cri gentil qui est vachement bien, vraiment. Comme ça, très sourd et tout, ça fait très réaliste. Ok, le cri agressif, très bien. Cri de peur. Ok. Et après, il y a les petites émotes. Voilà, les petites émotes, on s'en fout toujours, hein, mais on les fait quand même à chaque fois, même si on s'en fout. Ouais. Il nous fait quoi, là? Il s'endort sur place? Ah ouais, non, c'est une émote où il s'endort. Ok, très bien. Et là, il baille. Ok. C'est très contagieux, le baillement. Et chez moi, ça marche vraiment très bien. Ça veut dire que je suis très empathique. J'ai regardé ça il n'y a pas longtemps. Et si vous n'êtes pas contaminé par le baillement des autres, ça veut dire que vous êtes un vrai sociopathe. En gros, c'est ça l'idée. Pour résumer un petit peu, vite fait, vite fait, vite fait. Bon, bref. Maintenant qu'on a fait les baillements... Non, qu'on a fait les... Pas les baillements, non, justement. Pardon, je suis super empathique. Bon, maintenant qu'on a fait ça, on va tester un petit peu la course. On va remettre un petit peu les stats pour que vous voyez l'endurance. Donc, vous voyez qu'au niveau de la course, il court quand même assez vite. Pour un gros truc comme ça, je vous rappelle, il fait 11 mètres de long pour 3,5 tonnes. C'est énorme. Donc, il court assez vite. Et vous voyez que sa stam, depuis tout à l'heure, elle diminue très peu. On voit aussi que pour une grosse bestiole comme ça, il tourne quand même très très bien. Donc ça, c'est agréable. En mode précis, ben pareil, il se retourne quand même assez facilement. Même si on peut mieux faire. Alors maintenant, on va voir évidemment la régène de la stam. Hein. C'est le test complet. Évidemment, le test complet teste tout. La régène de la stam, bon, je le fais à chaque fois. Mais pour tous les dinosaures de Passe au Titan, ça se régène très vite. Bon, on va voir un petit peu les capacités maintenant. Donc au niveau de la tête, il y a 3 attaques. Il y a un gros, normal. Il y a Blading Bite. C'est une attaque chargée. Donc on ouvre la bouche, on charge l'attaque. Et plus on charge, plus ça met de dégâts de saignement et de dégâts tout court. Et ensuite, il y a le Grating Death. Ça augmente les dégâts de notre dinosaure pendant 60 secondes. Au niveau des pattes avant, bon, il a un coup de griffe qui met du saignement et très peu de dommages. Au niveau des écailles, ça c'est quand même très intéressant au niveau des écailles. Parce que j'ai vu que ça changeait vraiment profondément le gameplay du dinosaure. Donc il y a les écailles normales.
Il y a les tickle kicks, ça augmente la défense et on a une meilleure rotation. Mais par contre, on perd de la vitesse. Ou alors il y a le thin hide. Alors ça, ça diminue la défense, mais ça améliore la vitesse. J'ai testé celui-là parce qu'on tourne vraiment très très bien, vous allez voir. Ensuite, au niveau de la queue, il y a l'attaque de queue. Et il y a le steel tail. Ça enlève la possibilité d'attaquer avec la queue, mais ça augmente notre rayon de braquage. En gros, il y a des associations à faire qui peuvent être très intéressantes avec ce dinosaure. Et notamment aussi au travers du choix de l'espèce. Là, j'ai pris le balancé, mais si on prend le rapide et qu'on met 7 pots en plus, donc c'est-à-dire qu'on a encore plus rapide et qu'on met 7 queues en plus qui nous permet de tourner beaucoup plus vite, on peut avoir un dinosaure complètement différent que si on prend un truc lourd qui nous empêche de tourner. C'est pour ça que ce dinosaure, je trouve qu'il a énormément de potentiel en gros. Ça a été très long cette explication, mais au moins j'espère que vous avez compris. Et ensuite, pour terminer avec la voix, on a le Radius Hole. Ça augmente les dommages du groupe dans lequel on est pendant 10 secondes. Ok, pourquoi pas, je l'ai pas pris parce que j'ai pas les thunes non plus, ça coûte 1200. Alors maintenant, j'ai mis la peau qui nous permet d'avoir une meilleure rotation. Regardez la différence. C'est vraiment une toupie le Yunchang Taurus. Norus, Vorus, mais compris. Maintenant que tout ça est dit, vous savez qu'on va partir au combat et que ça va castagner assez vert. Lui, il attaque par surprise, non? Mais si je l'attaque, il y a tout le monde qui va me castagner, non? Alors là, par contre, je vais courir un peu moins vite. On va voir si... Est-ce que le T-Rex me rattrape? Vas-y, barre-toi, le T-Rex, il me rattrape. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Bon, le T-Rex me rattrape pas, c'est déjà ça. Après, je pense que là, normalement, vu que j'ai une très bonne rotation, je peux lui passer derrière, devant, sans trop qu'il capte quoi que ce soit, non? Tac, je suis derrière. Je suis derrière toi, mon pote. Après, il doit avoir un coup de queue, hein. Voilà. Facile. Easy peasy. Ah ouais, non, quand même, hein. Vous voyez quand même, hein, c'est quand même assez fort. Hein, parce que vraiment, je vous rappelle, le Yunchanosaurus, il fait 11 mètres, 3 tonnes 5. Et il est quand même très très maniable. Ne me dites pas qu'il y a l'autre qui s'est rajouté là pour défendre le T-Rex. Hein. Ah non, il a pas défendu. En fait, le problème aussi, c'est qu'au niveau de mes touches... What? Ouais, franchement, on peut enchaîner les attaques. Coup de dent. Coup de griffe, coup de queue. Ouais, lâche-moi toi. Non, je suis contre le T-Rex. Vraiment, on peut les enchaîner, mais sévère. Là, je lui mets du saignement à foison. Et pourquoi il y a l'autre qui se rajoute là? Il m'emmerde. Bon. Par contre, il est quand même très résistant ce T-Rex de merde. Hein. Ouais, c'est ça, ouais, crie. En vrai, je suis quand même super fort, hein. Je tiens à le dire, hein. Je tiens à le dire que le Yunchanosaurus est quand même très fort, parce que en 1v1, vraiment, c'est faisable. Après, c'est sûr que si on se fait attaquer par d'autres trucs à côté, ça reste plus compliqué. Mais bon, what, j'ai fait une erreur stratégique. Je tourne mieux. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Non, toi par contre, lâche-moi. J'ai vaincu un T-Rex, tu vas pas m'emmerder. Oh, c'est honteux. Bon, après, contre le Spino, c'est vraiment trop dangereux parce que la plupart des Spino, ils ont l'attaque de queue, quoi. Ouais, l'attaque de queue, c'est trop dur, du coup. What? Dites-vous que vous allez tous vous massacrer si vous m'attaquez. Mais pourquoi je mets un coup de dent, il y a tout le monde qui me saute dessus, c'est pas vrai, c'est le but du serve. J'ai jamais compris ces teams là qui s'unissent contre moi à chaque fois là. C'est horrible, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tout le monde s'unit, tout le monde me déteste. Quel enfer! C'est qui lui? Eh toi! Il vient m'attaquer lui! Il vient m'attaquer, mais il est fou! Mais il est fou! Mais il est fou! Ouais, il peut pas m'avoir, c'est un display ça. Eh ouais, non, Nius. Regardez comme je tourne bien, regardez comme je suis en train de loudplay complet. Je suis en train de loudplay, il sait pas où je suis. Et voilà, paf, display, tchoboy. Eh merci, hein. Je l'ai fracassé, regardez la vie qui m'a enlevé. Rien. Qu'est-ce que tu veux, toi?
T'es un sous, mon pote. T'as un sous. Tu veux faire une tête contre moi? Tu veux faire une tête? Ouais, c'est ça. Fais le gentil, je t'explose la gueule, moi. Vraiment, je le trouve extrêmement puissant. Hein. Après, moi, vraiment, petit conseil. Je pense que la sous-espèce rapidité sera peut-être un peu plus efficace. Ça, c'est à tester. Là, je peux pas parce qu'il faut gagner ses points à la sueur de son front. Donc, du coup, c'est très long. Alors, par contre, je trouve qu'il a un petit défaut. C'est que l'attaque chargée qui est là, regardez, elle consomme de la stam. Raté, Dulos. Voilà, Dulos. Alors, lui. Raté. Et là, un coup de queue quand on repart. Vraiment, hein, je le trouve incroyablement fort, hein, celui-là. Vraiment, je trouve que... Non, j'ai raté mon attaque. J'ai pas les bonnes touches. Non, vraiment. Hein. Là, je vais le griffer. Lui, faire gaffe, il peut casser la jambe. Petite attaque de queue quand je repars. Je reviens vers lui. Je le griffe, je le fais saigner. Je repasse derrière, je le croque. Petite attaque de queue. Je reviens. Je fais semblant d'attaquer, je repars. Je croque. Voilà, etc. etc. Quoi, vous avez compris. Hein. On peut vraiment fracasser à peu près tout le monde. Si on joue très bien. Moi, là, pour l'instant... What? Voilà, j'ai joué que quelques minutes. Hein. Si vraiment c'est votre main, c'est votre dinosaure préféré, vous pouvez clairement, je pense, vraiment, fracasser tout ce qui se trouve devant vous. Si vous trouvez la bonne combinaison et tout. Hein. On va le refaire saigner un petit peu. On va le recroquer. On part un petit coup de queue. On va le recroquer. On met un coup de queue, on s'est raté. Je reviens. Petit coup de griffe, on fait le tour, on le mord, on le bute, voilà. Vraiment, je pense que cette démonstration de combat vous a convaincu. Bon voilà, c'était le test du Yuang Shuanosaurus. Je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Il est très puissant, très agréable à jouer, très maniable. Et ça, c'est ce qu'on aime dans un dinosaure. En tout cas, moi, perso. Voilà, c'est tout pour moi. Si vous avez kiffé la vidéo, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Tout le monde.